Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui, un épisode sur les armes de Star Wars Battlefront. Et oui, on pourrait même appeler cette nouvelle série Analyse d'armes. Dans cet épisode, nous allons déterminer quelle est la meilleure arme disponible dans la bêta. Eh bien, il y a en effet un choix qui m'a vraiment sauté aux yeux et je vous le montre à l'instant. Donc, comme vous savez, durant la bêta, il y avait 4 armes de disponibles, chacune ayant ses propres statistiques. Et commençons avec la A280C, avec des statistiques quand même moyennes. Tout est situé dans le milieu environ. Comme vous pouvez voir, la vitesse de tir et les dommages sont exactement pareils, ce qui en fait quand même une arme bonne pour débuter. Passons maintenant à la E-11. La E-11 qui est vraiment une arme très bonne à longue portée. Et oui, cette arme qui est disponible pour l'Empire au début a une très bonne portée avec des dommages élevés. Par contre, cela est compensé dans une vitesse de tir très basse avec un réchauffement aussi très bas. Donc vous allez surchauffer votre arme pas mal souvent. Maintenant, la DH-17 qui est une arme quand même moyenne, je trouve. Un peu meilleure au corps à corps, mais rien de super. À distance, elle est pourrie. Les statistiques, disons que c'est la moins bonne, je trouve, de la bêta. Maintenant, le fameux choix, la DLT-19 avec ses dommages très bas, mais la vitesse de tir énormément élevée. Pareil que la portée qui est quand même moyenne, mais vous allez très peu surchauffer cette arme, car comme vous pouvez voir, elle est très bonne dans ce domaine. Et cette vitesse de tir compense énormément les dommages, même que vous dépassez les dommages des autres armes qui sont disponibles, car elles tirent tellement rapidement que cela compense les dommages qui sont quand même bas. C'est donc une arme très précise pour la longue portée. Au corps à corps, elle est super bonne grâce à sa vitesse de tir, et vous allez très peu souvent la surchauffer. C'est donc, selon moi, la meilleure arme de la bêta en ce moment. De plus, maintenant, un petit truc et astuce, vous allez être beaucoup plus performant avec cette arme si vous ne visez pas. En effet, vu qu'il n'a pas de vise sur le dessus, eh bien, cela vous offre un plus grand champ de vue, des plus grandes capacités, et vous pouvez augmenter vos stratégies pour tuer l'ennemi autour de vous. Donc, la meilleure façon de tuer l'ennemi avec cette arme, c'est de ne pas viser et de tirer sans viser en fait. Sauf dans les cas de longue portée, bien sûr. Là, c'est beaucoup plus utile de viser avec votre arme pour regarder plus loin. Donc, mon grand choix de la bêta est en effet la DLT-19. Mais par contre, la E-11 est aussi très bonne dans les situations de longue portée, comme sur Hutt, sur le mode attaque de marcheur. Ça, la E-11 a ses avantages, car si l'ennemi est très loin, et bien cette arme est très bonne à longue portée, et sa faible vitesse de tir vous permettra de faire des gros dommages à longue portée, et je vous la conseille dans ces cas-là. Bref, voilà ce qui conclut cet épisode. Bien sûr, on va faire plus d'analyses d'armes dans le futur, car il y en aura beaucoup. Je vous rappelle que dans le jeu final, il y en aura environ 100. Donc soyez prêts. Merci d'avoir écouté cette vidéo, laissez un like, un commentaire, abonnez-vous et venez me rejoindre sur Twitter sur le nom de Battlefront FR et aussi sur Star Wars Battlefront France sur Facebook. Donc merci et que la force soit avec vous. Ciao!